Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter un dessert autrichien, l'Apfelstrudel. Ce gâteau est confectionné avec une pâte feuilletée fine appelée Strudelteig, fourré de gros morceaux de pommes acidulées, de noix concassées, de poudre d'amande, de cannelle et de raisins secs. Le tout est servi chaud avec de la crème fraîche ou, moins traditionnellement, avec une boule de crème glacée et de la crème fouettée. Strudel est une déclinaison de tourbillon en haut allemand et Apfel est une pomme en allemand. On peut donc traduire ce gâteau par un tourbillon aux pommes. L'origine de la pâte à strudel se trouve probablement en Arabie où elle a été importée en Turquie via l'Égypte, la Palestine et la Syrie. De là, après la conquête de Constantinople en 1453, la recette peut être davantage développée à partir du baklava turc ou d'un pain plat fourré à Athènes-Vienne via les Balkans. La nourriture servait de nourriture pour la marche car elle avait une longue durée de conservation. À l'époque de la monarchie du Danube, le strudel aux pommes arrivait à Vienne en provenance de Hongrie. Pendant les sièges turcs au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les Hongrois ont appris à préparer une pâte très fine et dessinée à la main. Le strudel aux pommes a été mentionné pour la première fois par écrit en 1696.